Et y'a pas là, bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Alors, on prend ce soir découvert de l'ex anticipé de Long Widom. Alors, Long Widom, c'est un jeu que j'ai déjà streamé. J'ai streamé une version assez early il y a plus d'un an, enfin, il y a un an et demi à peu près. Alors, le principe du jeu, en fait, c'est qu'on va. C'est une sorte de dungeon crawler. On va construire nous-mêmes un donjon avec des blocs, en fait. Et les affrontements, ça va être un petit peu à la Slay the Spire, en fait. On va lancer un deck de cartes et on va s'en servir pour affronter les ennemis. Il est super tard. Alors à la base je devais streamer à 9h30 et finalement on a fait du JDR avec ma femme Megaman Sever, c'était super cool mais sauf que c'était super cool mais ça a débordé complètement. Voilà. Donc à la base j'ai mis le jeu ce soir parce que donc il est sorti en arrière avec un accès anticipé hier. Je pouvais pas le streamer hier. Et par contre du coup vu que je voulais y jouer vite, je me suis dit bah tiens, je vais quand même le mettre ce soir. C'est à la base je voulais le streamer la semaine prochaine le lundi mais en vrai j'avais pas envie d'attendre jusque là. Alors, attendez, pourquoi j'ai pas le chat? Ah, là, pas le chat, il arrive. Ok, allez, ouf, commencez. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça évolue, en fait. Sam, tu m'entends? Mabri, je t'entends. Ils sont super jolis, les dessins, là. C'est-à-dire que ton âme n'a pas atteint sa destination. Mabri, je suis où, là? Eh bien, ton corps est étendu devant moi, je suis en charge de ton rituel funéraire. Ah. Les esprits ont soufflé et qui te trouvaient trop gris pour t'accompagner plus loin. Ou trop rebelle, je n'ai pas tous ces... Je suis mort. Oui, mais c'est le cas de tes soucis maintenant. Je vais essayer de te guider à travers les limbes. Les esprits m'ont glissé que les ailes perdues sont complètement établies. Ils ont convaincu de voler quelques-unes de leurs âmes, mais de te les mener. Des armes, pardon. Des cartes. Tu les reconnais. Nous en utilisons des semblables. Tu dois pouvoir affronter les âmes perdues comme nous le faisions nous qui vivons. Sauf qu'ici, tu le feras en l'air, dans les yeux. Papa Legba me protège. Donc la version que j'ai essayée à l'époque, j'ai trouvé vraiment super cool. En fait, j'aime bien le principe du jeu. Donc voilà, donc moi je suis ici. Donc le but là, c'est s'échapper du donjon, ok. Voilà. Trouve à te mettre à l'abri, l'endroit n'est pas sûr. Qui sait ce qu'il y a devant toi, si tu te laisses attraper, bah non, perdu. Ok. Donc voilà, donc moi je suis ici, donc je peux me déplacer, je peux faire différents trucs, sachant que, voilà, ça c'est mon nombre de points de mouvement en fait, je peux me déplacer à 4 cases, pile les dalles, contre le chemin et calé, ok, donc voilà. Donc là l'idée en gros ça va être de, pour l'instant j'ai pas de tuiles à poser, par la suite en fait je vais pouvoir mettre des tuiles, je vais pouvoir poser des blocs pour relier les plateformes en fait. Donc là je vais juste avancer jusqu'au, tac. Donc voilà, j'ai différents trucs comme ça. Le flanking peut maudire sa proie. On va tout prendre, on va pas s'embêter, de toute façon je n'en ai pas encore. Ces cartes peuvent signer le monde qui t'entoure. Voilà. Tac. J'ai de nouveau des points. J'ai 3 points de trucs. Okay. Donc j'ai 250 points de vie. J'ai un inventaire. Voilà. Donc avec des stats différents. Pour l'instant j'ai qu'un bâton en bois. Je vais pouvoir avoir d'autres personnages apparemment. Mission c'est juste s'échapper. Donc là du coup je vais pouvoir mettre des. Par exemple je peux mettre une dalle ici. Pourquoi pas. Ce qui me permettrait si je voulais aller attaquer ça. Relique électrique mi-feu de vue, il va vite. Hop là. Combat. Donc voilà, donc j'ai un deck de base hein, quand même, j'ai pas rien. Étourdissement, endurcissement. Donc ça c'est mon deck, ça c'est quoi? Ça c'est pour voir ce qui a été joué, combat, carte de combat. Ah d'accord, pardon, c'est les... Okay. Alors chacun va annoncer ça en combat, vous attendez tous les détails, vos cartes en survolant. Donc là c'est les points d'action. Ah, c'est le coup en point d'action, pardon. Ah, il y a des éléments. Si l'élément de la carte est le même que l'élément de l'arme, on a des bonus, ok. Donc là, on peut voir les trucs qui sont affectés, ok. Type du sort, stratégie, offensive, défensive, hybride, ok. Ah,
Ah là, il me dit de jouer ça ou... Vous pouvez voir les détails, en survolant la carte, un peu de gauche, attaque de base, lit, alarme, ok. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez, ok. Ça par exemple. Boum, 20 points de dégâts. Donc les morts encore deux actions. Retirer toutes les bénédictions de la scie, ok. Donc ça c'est ce qu'il va faire en fait. Retirer les bénédictions aussi. Dispense 3 points de vie, ouais, c'est bizarre comme, comme formulation, dispense des points de vie. Là il a plus que 20 points de... Attends, il a quoi lui? Ouais. Alors ça, et comme ça je peux lui faire les points, un point de dégâts. Ok. Alors, récompense, j'ai eu attaque sacrée. Inflige 20 dégâts à la cible, augmente de 15% attaque du lanceur. Faites la main sur les cartes égarées par les hommes perdus et intègre ton deck depuis l'hôtel dédié. Ah, d'accord, donc de base, je peux pas. Ah, si, là. Ah, donc de base, en fait, je peux pas la mettre directement dans mon deck en fait. Voilà, donc ça c'est mon deck actuel. Et là en fait, c'est quand j'ai de l'équipement, je peux avoir des sorts liés à mon équipement. Donc un sort lié au torse, au casque, aux bottes, etc. C'est quoi ça? Armurerie. Ah, là du coup je vais pouvoir utiliser, modifier mon équipement. C'est qui lui? Ah, Marcus. Attends, je vais le voir Marcus après. Tac. Alors là, du coup, ici, je vais pouvoir rajouter. Voilà. J'ai rajouté mon attaque sacrée. Très bien. Quoi, hein, vous pouvez. Ok. Alors, j'aurai une autre arme près de toi, elle n'a pas l'air hostile, essaie de pactiser la cave, vous avez le même but, vous pouvez faire face ensemble, d'accord. Bon, on va aller récupérer Marcus, hein. Eh, il est perdu aussi. Complètement. Trop de vêtements, tu vois, de Gaulle Roman, Aquitaine. Ça dit vraiment quelque chose, ça va être en Europe. Toi, tu viens d'Afrique, presque. On a aucun mal à se comprendre. La prière prend la forme qui convient à l'aide qui le traverse. Sans que les tues dieu de la mort, je suis mort. Hein. Oui, ça meurt tous les deux, mais la voix que tu entends, c'est celle de la sorcière de la montée charme et finale. Ok, donc là j'ai eu quoi? Le casque du bélier. Donc plus 5% d'armure, les années de soins, ok. Mais lui il a ça, d'accord, moi j'ai ça, mais lui là. Copèche, casse du bélier, bouclier de diamant. Ok. Dungeon Master, te voilà. C'est toi qui as mes cartes, je crois être le seul à pouvoir les utiliser. Tu verras ce qu'un coup de stacker au maître du donjon. Ah. J'ai apporté des barbares toute ma vie, c'est pas Sagdos qui m'a intimidé. Ok. Ok. Du coup, il y a quoi? Il y a le stack, lui. Il augmente les défenses de la cible. Attaque de la cible. Sur lui. Ok.
Ah mais du coup c'est comment en fait? 19h37, il est 10h37. Boum. Mais d'accord, ça, elles sont communes à tout le monde en fait, d'accord, ok. En gros, la seule différence, c'est au niveau des cartes à gauche en fait. En gros, ça, c'est mon deck qui est commun à tous les persos. Et à gauche, ça va être si je veux utiliser leur truc de base en fait, ouais, ok. Ah, mais par contre, c'est la même carte, mais suivant le personnage avec lequel je vais lancer. Ils vont pas faire les mêmes dégâts en fait. Ah, du coup, c'est assez bizarre comme système. C'est finalement, ils ont un nombre de points d'action commun. Et je suis bien obligé de sélectionner le bon pour un. Ok. Ah, du coup, j'ai un casque de fer. Ok, c'est quoi de la poudre en feu? Ouais, pas fait mieux. T'as trouvé de la poudre, tu vas pouvoir améliorer des cartes comme j'ai appris. Ok. Atelier permet d'améliorer les sacs existants, on en fabrique une nouveau. Très bien ça. Alors du coup je peux. Ok. Il y a que celui-là que je peux améliorer pour l'instant. Il faut 75, ah ouais, ça coûte cher quand même. Du coup, il va te faire 20, ça sera 26. Très bien. D'accord, au lieu de comment il passera en rare en fait. Ok. Je t'équipe une quille. Ok. Bah, je vais retourner là. Après, ce serait peut-être pas mal que je récupère ça en fait. Ça par exemple là. Hop, j'en ai essayé. Comme ça au moins je peux équiper. Alors là déjà, lui il l'a déjà celui-là. C'est quoi ça? Ah non, ça sert. C'est pas le casque que je veux, moi c'est le. Casque de. Mais c'est pas un casque, c'est pas un casque du bélier le truc là. Ah si c'est casque du bélier. Ah merde, si c'est vraiment un casque en fait. Ah oui ok pardon. Je trouvais que ça ressemblait pas du tout à un casque. Ça fait pas mal sa attaque défensive. Alors attends, lui je vais lui mettre ça. Et là, ouais, c'est bon. Ah, attends. Oh, c'est un problème, ça. Ah merde, du coup j'ai plus la.
Non plus, je suis dans des mariés. Je connais pas d'autres en Asie alors. Attends, c'était. Ok, tout ça on a récupéré. Du coup, je fais quoi en Valéal? Boum. Donc là le but c'est aller ici, hein. Mais je vais récupérer les dalles. On va faire fin de tour, on va voir ce qui va se passer. S'il me semble qu'il faut que ce soit moi qui attaque pour avoir l'initiative. Par contre, j'ai du mal à lire ce que va faire l'ennemi. C'est ça en fait. Et du coup, il va faire affaiblissement apparemment. A priori, on voit directement la carte qu'elle va jouer l'ennemi. C'est pas juste. Alors, du coup, positionnement, ça augmente l'attaque. C'est pas mal ça. Je peux faire un stack à 51. Oh bah c'est bon, je me tue en fait. Casquette de fer et une poudre, ok. Il va attaquer. Ah d'accord, en plus non seulement c'est la carte qui va jouer, mais on sait qui va attaquer. Ok. J'ai quoi? Coiffe de protection. Ça a l'air pas mal ça. Ah mais sauf que pour l'équiper, il faut que je retourne là-bas. Ouais, on va pas s'embêter à retourner là-bas. J'ai eu un sceptre magique qui fait des points de vie en plus, moins de dégâts. 15% sur les sorts devant. Et ça, ok. Au dessin dans ta manche, mais que vaux-tu sans ton gros légendaire? Ah. Tu es toujours là bien, je crois que tu es seul, enfin à peu près. Tu n'as pas avec moi, enfin bien, t'es le PC, la raison de prendre ici. Un peu inconnu, écoute les chants très résonnants, les chants qu'un sucre. Tu étais notice sur les murs à souffler d'argent, tu étais le plus blanc, c'est souffrant face à une dette, alors tu étais le plus parfait entre tous. Pour éviter de conflit. Ah, je suis Madame Ballon. Prends le temps de bien te préparer avant de continuer. Ouais, non, maman, c'est la dalle verte.
Ok, donc là il y a quoi? Faille pour se rendre où on est déjà allé. Elle accepte tous les équipements et sœurs. Ok, on va aller là. Ah, mais du coup, j'ai plus mon pâte avec moi, d'accord, je suis tout seul. Ok. Bah, les tennis de soin, c'est pas mal, sauf si je prends ça, quoi. Yo, Taz, la bêta de nouveau alchimie. Non, pas encore. Nouveau alchimie, je crois qu'Alain m'a dit peut-être courant mars normalement, et encore ce sera un truc que j'aurai pas le droit de montrer. On va prendre ça quand même. Attends, ah mais elles sont pas équipées celles-là, attaque, si, attaque sacrée elle est là. Pas mal, ouais, mais après, ce serait vraiment d'alpha et d'alpha et en fermé. J'aurais pas le droit de montrer quoi. Je suis obligé de mettre vraiment en premier une première build, une première version qui tourne. Mais ouais, apparemment, ouais, courant mars, il y aurait déjà un premier proto quoi. Enfin, un premier proto qui est jouable. Et j'avoue que j'ai carrément hâte. Alors c'est quoi ça, carte disponible? Ah mais je peux améliorer ici. Ah, mais j'ai que 8 poussières donc ça va être compliqué. Ok. Je pense que ça aurait été mieux quand même qu'ils mettent directement en blanc les seuls qu'on peut éventuellement. Ah mais je peux en recycler par contre. Ouais, peut-être pas commencer à recycler alors que. Ouais ok. Je peux créer des cartes ici, c'est marrant ça, avec des recettes, clonées. Ok, c'est quoi ça? Forge. Améliorer la qualité de vos cartes. Ah, ok. Ouais, c'est pareil, ça va coûter cher. Ok. Donc là, c'est mon groupe de perso. Ok. Après, oui, j'ai tout pris là. Allez, go. Alors, tuer ce monstre, le mini Paros. Ok. Il y a quelque chose qui débarre la route un peu plus loin. Il va falloir avoir un système perdu pour continuer. Ok. Attends, il y a des trucs qui sont intéressants. Il y a quoi? Il y a pile de dalles, ouais. Flanking. Le maudire, ça prend. Pas cool ça, donc là il y a un coffre. Et fait de quoi on peut se reposer. Une armurerie, un ennemi. Sarcophage. Offre une récompense ou on pose en combat. Hein. Je sais pas ce que c'est le petit globe qui est au-dessus. Là. Relique électrique. Ah mais d'accord, c'est que là il y a deux ennemis. Ok, très bien. Ah là, du coup, il y aura un ennemi, il y aura un flanking là-dessus. Ok. Bon. Alors, ne pas activer l'événement, feu de camp. Ok. Tuer les monstres, faut que je tue 5 monstres. Il faut que j'active des feux de camp. Ah merde. Ouais, mais alors là, c'est l'un ou l'autre, quoi. Bon, bah, allez. Hein. Je me trouve un samedi, je vais me coucher. Comment ça se passe la maladie? C'est bien ou bien? Attaque, c'est un 46 à 69 de dégâts. Pouah, ah ouais. Et il est comme ça lui. Ouais, j'ai rien pour me soigner de toute façon. Ça, je suis juste claqué, ok.
Alors du coup, attaque occidente. Ouais. Du coup, je vais tuer une pile de dalles. Hop, c'est pas dû prendre, le flanking peut maudire sa proie là. Ouais, on va aller. Bon, il est défoncé hein. J'ai des soins, lui il va mettre quoi? 33-35 quand même. Attaque tranchante, ça c'est pas mal. Hein. Ah mais ça coûte 3, ouais. Je me disais aussi, il fait beaucoup de dégâts, mais ouais. Ouais mais j'ai quand même mettre du soin. Et puis bah, là, c'est des dégâts. Hein. Ok. Ok, Ah bien, mais je suis con, oh là là, n'importe quoi. Je suis bête. Destruction de dalle, mais vas-y, t'as que ça à faire, toi. Relou. Hein. Alors, j'ai quoi? Chaussure légère. Oh, c'est bien ça. Du coup, je fais quoi? Est-ce que je vais activer tous les feux de camp? Ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais, on va faire ça. Ah merde, j'ai pas vu qu'il m'attaquait lui. Ah, le problème, c'est que vu que c'est lui qui m'attaque, je crois qu'il va pouvoir jouer avant moi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est le problème quand on se fait engager en fait, on se prend une attaque de. Non, je fais un... Là, je peux faire quoi? Je veux le tuer avec ça. Et en même temps, échec, tu me mets deux trucs contradictoires. Qu'est-ce que je t'ai dit, ça? Ah, il peut faire pas des Fallen Kings, ok. C'est quoi cet truc là? Nous bon pour l'action, faire une action supplémentaire pour votre tour. Ah. Thank you.
Ah mais j'étais d'accord, il était caché mon truc, j'ai pas vu lui. Bien, il me semblait qu'il y avait un logo dessus, mais... 65, très bien. Pas moins de 36 fois, hein, c'est terrible ça. Ah merde! Oh, je l'ai pas tué en plus. Ah, dégoûté, oh, c'était 3 points de vie. Putain, il a toujours pas de soin quoi. Ah non, mais je suis bête, ça. C'est pas un sort d'attaque. J'ai eu quoi, une armure. Très bon, pioche une carte et augmente l'attaque d'un ennemi de 15%. Ah merde. Pas ouf ça. Pas ouf. Par contre, c'est quoi ça? Ah ouais. Faut que j'aille là pour pouvoir me changer mon staff. Et merde. Attaquer hein, parce que j'ai... Ah merde, il y en a un autre à côté, alors, je vais me faire attaquer dans la foulée. Moi bon, j'aurais dû aller parce qu'en plus je crois que si je perds tout le matos que j'ai sur moi est dégagé en fait, si je dis pas de bêtises. Le problème c'est que là c'est la fin de mon tour, j'ai plus de points d'action, donc c'est à dire je vais me faire engager par Cocolastico qui est à côté de moi. Du coup il va me mettre une attaque d'entrée, et je suis à 47 donc je pense qu'il va me one shot. Bon en tout cas il va peut-être pas me one shot, mais il va rejouer avant que je joue, donc il va pas me one shot s'il me met 19. Mais j'ai pas de soin, et il me rattaque après. 20, 38, ah je peux encore avoir de la chance en fait. Pas qu'il fasse 30. 24, ouais. Quoi? Oh, ça j'ai encore, heureusement. Allez, j'ai pas vu que j'ai moins 60. Ouais. Par contre, non, c'est la pandote qui peut m'attaquer là, non? Non, c'est bon. Par contre, si je vais là, j'ai un combat ou je me soigne? Oh, cette vanne, quoi, sérieusement. Bon bah je suis mort. Ah c'est tout qu'en plus tu vas me mettre 49-69.
Ah, tout ce qui est dans mon sac, ça. Ah non, c'est ce qui est dans mon sac qui est perdu. Du coup, ce que j'ai sur moi, ça donne quoi? Ah non, ce que j'ai sur moi, en fait, c'est gardé. Très bien. Mais c'est fou à quel point ça sort jamais le soir. Ah, j'ai quand même de la poudre. Est-ce que je pourrais pas cloner le soin par hasard? Ouais, je vais en cloner. Hein. Tac. Ah oui, si je peux appuyer là-dessus pour le mettre. Non. Par contre, j'ai des trucs qui me... J'ai qu'un seul bannissement, mais j'ai l'impression que j'en ai 150 des bannissements, elles sortaient à chaque fois, quoi. Ça m'a dit que ça coûtait... cher. Okay. Bon, on y retourne, on verra bien. Ça a été Jean-Michel. Ça c'est pas mal, ça contre l'attaque. Bon, je mets directement ça. Ou alors plutôt faire ça. Boum. Ah mais ce que j'utilise pas, ouais, c'est garder en fait, quoi. Ah, c'est que j'ai pas fait attention à ça depuis le début, que, qu'en gros, il pioche que si et seulement si... si et seulement si j'ai défaussé les cartes, a priori. Alors ici on a quoi? Des bottes de sécurité, très bien. Ok, elle va aller là. On va tout prendre, très bien. Et du coup, on va mettre ça là par exemple. Ah, ils sont deux. Merde. Ouais, ils ont 100 points de vie chacun. Heureusement, ils font des attaques pas trop loin. 10-15. Ouais. Pam. Ouais, en fait, je crois que j'ai posé trop de questions. Je pense comme nous dans les jeux-là, on va essayer de bourrer un peu comme des âmes. Me soigner, ça peut être pas mal. Et on va mettre des frappes quand même. Et mais en fait, si je recycle pas. Je ne peux pas comprendre le principe de comment ça fonctionne exactement. Le problème, c'est que si j'utilise pas ça, ça va pas repiocher automatiquement le prochain tour en fait. Juste tester ça. Donc là, j'ai utilisé une carte. C'est ça en fait, en gros, il est d'accord, il cycle pas. C'est
bizarre comme principe en vrai. Alors, et endurcissement. C'est pas mal. En plus, chaussures légères. Ok. Du coup, on va aller où? C'est ça qui m'intéresse. On va essayer de rusher l'armurerie. Vas-y, t'es relou, mec. Alors, il y a 1m20, 30, 40 à mouille. En fait, je suis con, j'aurais dû lancer ça en premier. En fait. Tant qu'à faire. Ouais, si j'aurais assez pour ça. Ouais mais c'est vraiment bizarre par contre le principe de que ça shuffle pas les cartes. On va aller là. Alors du coup, chaussures légères, quoi protection, elles font quoi c'est pas par rapport à celle-là. Si je mets ça, je perds des points de vie, je perds de machin, je gagne plus en déplacement. Choum, pardon. 10 points, ouais, c'est bien ça. Au niveau des cartes, j'ai quoi? J'ai ça. Ouais, mais ça m'intéresse pas bien. Élection d'armure. Mais j'en ai déjà en fait. Non, c'est celle-là que je regardais. Endurcissement, ça coûte 1. Ouais, c'est pas mal ça. On va retirer un truc comme ça. Et on va ajouter un voilà. Le bannissement en vrai, ça reste pas bien. Hein. Ah mais du coup ça m'a... Ah non, les avocats sur 3. Il y a un coffre là. Il y a un truc là mais il y a... Mais le mini paro s'il est sol, c'est sarcophage, ça a raison. Merde. D'accord. C'est quoi ça? Portail. Ok. Ah bah il y a deux boules sur le coffre. Ah mais là il y a un sarcophage aussi. Mais en vrai on s'en fout, je peux aller s'arrêter Coco Lastico là-bas. C'est vrai. Rien n'empêche d'aller s'arrêter machin. Ah,
Ouais, j'y crois à mort. Cinquante points de vie. Ouais, quand même. Oh, et puis il met des quiches, quoi. Il met des quiches à 58, 63. Et bah, je suis pas dans la... Et puis en plus, j'ai rien pour... Ok. Bon, j'ai de l'armure augmentée, hein, heureusement. 42. Aïe. J'ai des stocks comme ça. Du point de vie, 3% et points de vie au lanceur, donc c'est mieux ça. Pas vraiment en fait. T'as mis que des grosses quiches en fait. Ouais. Merci. Ok, il fait que ça, lui, il s'en fout, il a pas de... Ouais, j'ai l'attaque tranchante qui peut être pas mal quand même. Bim! Ça va en fait. T'as les bâtissements, mais il faut arrêter cette carte moisie là. Armure, ok. Un autre feu, un flux de feu. Oh, c'est bon ça. Ouais, mais deux. Ah, j'ai eu quoi d'autre? Fauchon, 4% sur les sorts de terre, ouais. Recette pour chaque de bouclier. Ok. Je vais faire continue level parce que j'ai vu qu'il y avait des, il y avait des coffres à les récupérer. Du coup, c'est un peu relou parce qu'il va falloir que j'aille jusque là-haut, mais... Ah mais ils bougeront par deux quoi les roses. Bah je me demande si c'était pas une bêtise d'y aller avec 200 points de vie en fait, j'ai envie de me soigner quand même. Enfin en même temps je pouvais pas bien leur combat mais... Ouais, pas trop mal en fait. Boum. Ah mais il me débuffe en dégâts, c'est super relou ça. Ah, je vais pas faire assez, dégoûté. Tant pis. Ah, y'a quoi de mort? Ouais, je suis sur la légère, j'arrive bien. Boum.
C'est marrant comme de pouvoir. Ah merde, tu fais que j'active des feux de camp. Oh merde. Ouais, je suis un peu blasé là par contre. C'est fait quoi? On est où? On est là, là. On va aller là. Là. C'est un peu le merdier là. Que, du coup, dans mon sac et ça, soit mêlé. Je comprends pas trop l'idée. Pourquoi il mixe les bottes avec les sorts, quoi. C'est un peu. Surtout s'ils sont pas équipés. Fin... L'anneau de feu. Allez, je vais peut-être le mettre quand même, l'anneau de feu. Mais pourquoi je peux pas l'équiper, l'anneau de feu? Ah, l'anneau de feu, ok. Là, j'ai pu le mettre. Ouais, c'est un peu bizarre ça par contre là. Et du coup c'est quoi ça? Ça va être les gants ça, et là il y a quoi? Torse, casque, gants et bottes. Ah oui, il y a torse, casque, gants et bottes, ok. Et du coup anneau, ouais, anneau c'est un sort en fait. Je peux sortir du donjon sans aller au machin. Bizarre ça. Pourquoi j'en sortis? C'était pour prendre la fuite, je sais pas. Alors. Hop. Regarde, ouais, j'ai plus 4 dalles. Ah ouais. Ok, donc j'ai eu quoi? Potion de soin. Ouais, pourquoi pas. Très bien, je veux pas qu'il fasse ça, lui. Bah tant pis, je vais aller l'affronter. Hein. Je vais essayer de le contourner pour me barrer, mais ça va pas être possible. Bon, au pire, c'est pas grave, on fera des autres cartes à péter, du coup. Ouais, bah... Faire ça, hein, pourquoi pas. Ouais, c'est même pas forcément ouf en fait. Hein. Non, si je peux me soigner et puis mettre deux attaques de base, ça suffira bien. Oh, même. Non, celui-là c'est pas sûr. Sérieux?
Ah, du coup, ça continue en fait. D'accord. Ok, donc non, là, je reviens. Alors là, par contre, je vais pouvoir péter des trucs. Je vais recycler. Donc là, j'ai plein de trucs que je peux potentiellement recycler. Ok. L'équipement, bah, je peux mettre ça en fait. Je peux, pire, je peux péter un casque du bélier. Ok. Si je peux le péter. Elle peut pas être recyclée, ok, très bien. Du coup, si elle peut pas être recyclée, ça aurait été bien de le marquer quand on peut pas cliquer sur la croix en fait. C'est un peu bizarre. Hein. Il y a quand même pas le truc qui sont encore un peu manquables en fait. Avec l'accent anticipé, je pensais vraiment qu'ils avaient tout poli chez tout. Et finalement, je trouve au niveau de l'interface et tout, il y a encore pas de choses à revoir, je trouve. Qui sont pas. Détérioration reliée à défense de la cible. Ouais. L'anneau de feu, c'est pas ouf. Ouais. 24-48. Pour deux, ça coûte cher, quoi. Ça, en vrai, là, c'est 28-56, quoi, la frappe de base. Donc, ouais, en vrai, c'est mieux, ça. Là, c'est 28-56, alors que là, c'est 24-48. Donc, après, ce serait peut-être bien si j'avais une arme... Si j'avais une arme feu. Mais j'ai pas une arme feu, donc... Pour l'instant, je vais le virer en fait. Après ça, ouais, c'est pas mal. Ouais, le truisme. C'est même pas génial, ça envoie les 10 points de vie à tout le monde. Je veux pas l'enlever. D'accord, ah, donc là ça je... Ok, donc à partir du moment où je mets les bottes, je suis obligé d'avoir le sort dans mon truc. Ok. L'atelier, recycler, cloner, créer. Non, améliorer. Moi j'aimerais bien le bâton, il est pas mal. Oula, ça c'est cool. Coup de 100 pour améliorer, et j'aurais quoi? 76-100, ah ouais, quand même. Et plus de partout, ok. Plus de points de vie, plus de machin. Allez, améliorer, bim. Ok. Et là, du coup, maintenant, on est passé en rare, très bien. Mon bâton. On dit qu'il est bien, le bâton, ou pas, avant ça, hein. C'est le sort de vent. Les sorts de vent, ouais, tout ce qui est stock, c'est le sort de vent, donc en vrai, c'est cool, quoi. Du coup, si je booste le bâton, ça donne quoi? Ah non, c'est 200, ouais. Mais 15% sort de vent, donc ouais, ça aurait été bien. Ça aurait été bien, mais non. Attaque tranchante, c'est là que je fais soit du feu, l'attaque tranchante. Ah, maintenant j'ai les cartes que je peux recycler par contre. Et genre, j'ai 5 bannissements qui me servent à rien. Hein. Regardez une. Mais ils sont d'armure, ouais. Deux, ça suffira bien. J'ai cru que j'avais deux anneaux de feu. Hein. Un peu sur mes mains. Ouais, l'anneau de feu, en vrai, je le lasse parce que. Ah oui, non, mais en fait, oui, non, je suis bête. Et non, en fait, je sais pourquoi il vaut deux. C'est parce qu'il tape plusieurs ennemis, en fait, je suis con. Donc, si, je vais peut-être le remettre quand même dans mon deck.
Oui, en fait, c'est pour ça que si t'as plusieurs ennemis, c'est pour ça qu'il est, il coûte 2. Et qu'il peut être potentiellement intéressant. Les autres, je vais garder le stuff hein, si jamais je chope des nouveaux compagnons. Si je vais là, ça fait quoi? Ça met. Ok. On peut se téléporter là où on veut. Très bien. Allez, c'est reparti. Tuer des monstres x6. D'accord. Donc là, le but, c'est juste péter 6 mobs. Et atteindre des statues de marbre. Ok. Atteindre l'île au gros coffre. Pareil, tu as dégagé le chien. Ouais, il y a beaucoup de mobs quand même. Ouais, il y a carrément 3 mobs là. Ouais, ça le gros coffre. Ouais, j'imagine c'est ça, mais voilà. Il y a... Fallen King. Il y a du coffre à choper là. Bon, je pense que je vais choper ça déjà. Ouais, zou. Alors ils sont deux, donc là effectivement si je prends un autre feu, je touche les deux. Mais t'es sérieux, j'ai pas l'attaque là. Putain, purée. Ouais, si je vais faire ça. Hein. Il y a 44, il y a moins. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est pas grave. Des stocks, un investissement, un peu, ok. Pile de l'air, ouais. Prendre, très bien. Carapace métallique. Quatre blindés. Ils sont deux aussi quand même. Ouais, j'ai pas peur.
mal quand même. C'est tellement nul. C'est quoi, c'est 95, j'ai même pas assez en vrai. Ah mais lui aussi se soigne, pourquoi il se soigne aussi? C'est un truc. Recycler, c'est quoi? Si je faisais de recycler le deck, vous perdez 103 points de vie. Pardon? Alors que je me penche sur cette mécanique parce que je comprends pas quoi. Et du coup, si t'avais la fin de ton deck, en fait, tu. T'as perdu quoi. Ah mais ça file vraiment des points de vie à tout le monde en fait, y compris les ennemis quoi. Ah ouais c'est vraiment naze quoi l'altruisme. Ah ouais c'est vraiment vraiment naze. Ah ouais, peut-être que je mette les autres chaussures en fait parce que c'est pire que ce que je pensais en fait. Je suis obligé de tout prendre en fait, je peux pas prendre ce que je veux. Okay. Enchanté. Ouais. Je pense que je vais faire un petit tour au feu de camp pour me soigner. Ouais, c'est l'occasion de tuer les deux monstres qui me restent. Mais... Il avance à combien lui? Il avance à 2. Puis là, il récupère les dalles qui sont à. Enfin, il est avec le gros coffre et elle est loin quoi. Là, j'aurais bien aimé y aller là. Marche pour elle. C'est là. Ah non, c'est me rajouter en monstre là. Ah bien, mais lui il avance de 2, du coup il va pouvoir m'attaquer. Ah non. C'est à moi là, c'est bon.
à vous. Ok, donc là c'est pas ouf du tout ce que j'ai. Pas mal ça. Oui, je pense que c'est une bonne pour la maladie de pénitence. Ouais, ça m'a repartir et tout. C'est l'arnaque, c'est marqué retire tous les, toutes les pénalités, en fait ça peut pas tout retirer quoi. Dégoûté. Quoi? Pourquoi j'ai pris l'empoisonnement, ça peut-être? Ah ouais, d'accord, on fiche 20-40 pendant deux tours. Ah ouais, merde. Ah ça c'est bien ça, 20 ans de dégâts pendant 3 tours. Juste 24 acier afflige 2 fois ses dégâts à ses aciers, une malédiction, une défense. Ouais. Est-ce que je vais continuer ou est-ce que je fais next? Là c'est pareil, il faut une option pour revoir la map, ça pourrait être pas mal. Ouais, aller faire un next. Bon, tu me diras, je peux y retourner dans le niveau, mais... Mais c'est vrai qu'une option pour revoir la... Ah, chaîne de Bandana, la finale. Ok. Donc là, j'ai un boss. Du coup, ça, on va l'équiper. Bon, les bots, c'est vraiment trop nul, le tuisme. Là, je perds des points de vie, je perds ça, mais je gagne un déplacement. Alors du coup là j'ai récupéré des trucs. Parce que ça c'est quand même sympa quoi. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là que je veux. Non, perdu. Non, c'est affection que je veux. Ah, et en plus, j'ai un bonus élémentaire dessus. Bah ouais, carrément, je veux ça. Est-ce que d'ailleurs, on ferait pas un petit... Attends, l'affection, elle est où? Cloner. Cloner l'infection. Ça coûte que 50, on va faire 100. Bim, cloner. Hop. Bon, est-ce que j'ai une deuxième infection? Allez. Enduicissement, c'est pas mal ça aussi. Hein. Où est-ce que je mets quoi? Ça, de toute façon, j'aurais pas. Ok. Pas grand chose. Une détérioration par exemple. Ok,
4 restocks, c'est beaucoup, je sais, en virer une. J'aimerais bien avoir 200, je crois. Mais j'ai plus rien en double, ça, en temps. Ah, c'est j'ai les 4, je peux les améliorer aussi. Genre, l'attaque sacrée, elle est cool, hein. Enfin, elle est cool. C'est 24. J'ai un boosté une stock. Ok, du coup j'ai deux stocks rares. Et j'ai mon attaque sacrée rare aussi. Ok. Is ok. Bah allez. Alors, tu es sur mon paros. Oh, il est balèze. Il y a un qui a ça que la plus forte que j'ai jamais vu. T'as encore rien vu, des cartes anciennes. Ok, tuer des mini paros si je peux, ou atteindre des sarcophages. Faut que j'en fasse deux. Ok, donc là, il y a quoi? Pawn et relique électrique. Ok, Boum, 77, c'est pas mal ça. Il va rien faire à ce tour prochain. Ok. Bon, je sais pas pourquoi c'était pas affiché, mais ok. C'est pas cool, non. Ouais, du coup, mieux que je fasse 28-56. Hein. Ah, attaque vampirique, ça c'est pas mal ça. Okay. Du coup, je sais quoi. Ça, en vrai, je pourrais ouvrir une faille, alors. Une brèche, mais. Ah, je peux pas, d'accord. Faudrait que j'attende que l'autre y aille me les péter. Très bien. Des sarcophages, il y en a où? Là-bas, il y a des sarcophages.
On dit de mettre en feu de camp, Jean-Michel. Je vais faire attention aussi, comme dans l'Oriax, enfin dans la bêta que j'ai joué, au bout d'un moment il charge en ligne droite. Les deux Fallen King là. Sécurité, ok. Ouais, c'est pas cool ça. Mais dans sa quoi, dans sa 3. Ah, t'as fait 150, c'est un peu relou. On s'en sort en premier. En même temps, si je fais ça avec ça, ça suffit. Hein. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas. C'est bon, il l'a fait apparaître juste à côté de moi, ou qu'il va m'attaquer, quoi. Il m'a pas attaqué, là, mec. Par contre, du coup, faut qu'il attaque... Ça va être compliqué, parce que c'est un mini-machin, donc c'est un truc à 250 points de vie, c'est ça. Ah,
225. Tellement mal lui. Bah 53. Heureusement que j'ai du soin. Merci. Bah, au pire je vais rusher lui. Chose à faire. Attaque et visée. Ouais. Point de vie est dégoûté. Oh oh. On se voit, est-ce que je ferais pas l'encaisser un autre? Ah et voilà, en fait là du coup ça a pété. Vous êtes chanceux, bête des séries T. Il est 11 de quoi? Il est 11 de 3 lui. Ah putain, mais lui aussi il va avancer là. Il est 11 de 2. Point de vie. Voilà. Allez. En espérant que je puisse me souvenir un peu sur le combat. Petit soin, pas grand chose. Des feux de camp, ils sont à l'autre bout du monde. Là. Parce qu'en vrai, j'en aurais besoin comme ça. Je fais 196. Ouais, je crois que je vais quand même échapper les feux de camp. Là. Si j'ai 5 déplacements maintenant.
Allez, sois relou, vas-y. Oh, j'ai plus de dalles, merde. Oh, j'avais des dalles ici. Eh ben, dégoûté, je vais les chercher. Oh, je les ai pas pris, c'était vraiment. Oh là, c'est que des dalles à la con en plus. C'est relou ça. C'est relou. C'est si je mets une dalle comme ça, ça fait quoi? Ouais, c'est une dalle avec un ennemi, hein, c'est bien ça. Hein. En plus, il joue mes trucs, quoi. Ouais, et puis là, faut que je pète celle-là. Ouais, du coup, le seul moyen d'attendre ça, c'est de mettre une dalle piégée ici. Mais bon, je pense que ça vaut le coup parce que ça m'intéresse, je perds plus de 50 points de vie. Sauf que pour me soigner normalement. Voilà, une B22. Sachant que je m'étais déjà soigné. Et du coup, je peux me soigner. Ouais, ça valait le coup. Ok. Ah d'accord. Allez, pourquoi je peux pas essayer de travers le truc, ça n'a pas de sens. Ok, bon moi je sais pas trop pourquoi on peut pas essayer de travers le mur, mais très bien. 450 points de vie. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien. Bah, on va faire ça. Mais dès qu'il y a combien 45, 45, 45. Pour l'instant, il n'a pas fait trop mal, mais j'ai bien peur qu'au fil du temps, ça soit de pire en pire. On va attendre pour la malédiction, parce qu'il y aura peut-être des trucs horribles. Voilà.
Ah voilà le truc horrible. Putain, j'ai vraiment rien d'intéressant. J'ai vraiment rien d'intéressant. Je sais pas s'il vaut mieux que je focus sur... Ouh, il a augmenté ça. Ah, c'est la défense, t'as, j'ai eu peur. Plus de 24, non. Putain, j'ai rien d'intéressant là. De rollmaker quoi, parce que... Ah, il a une armée en direct, mais non, sérieusement. Tu sais, je vais faire 0 dégâts, on est d'accord. Moins 5. Très bien. Non, mais sérieusement... Fiction, ça peut être pas mal ça par contre. Même s'il aurait dû attendre avant de la mettre. 95 points de vie. Ouais, ça peut être passé, 25. Ah mais par contre faut que je tue l'autre aussi, oh la vache. Peut-être pas le coup en fait de faire ça. Ah, il y a encore 120 points de vie lui. Ça sert à rien, je peux pas. Ah, ça peut-être ça va pas passer. Putain, je suis dégoûté. Ah, si ça passe. Waouh. Piouf. Ah, mais en fait, je suis con, j'avais une potion de soin. J'ai eu quoi? Rejouer, replace dans les pioches les deux dernières cartes de jeu. Faut maintenant combiner la poudre des équipements pour obtenir endurcissement. Ah oui, j'ai oublié que j'avais une recette aussi. Si tu rends les cartes, maître, tu me laisses chercher à sortir un peu. Non, si tu retires la tour, prends une salle. C'est pas mal que je suis censé comme toi. Tu replaces pour c'est normal. Ah, par contre, c'est un peu relou que du coup, là, par exemple, quand il y a des trucs comme ça, ça interagit avec ce qu'il y a derrière aussi. Rendu en 19, tu as arrêté sa vie. Après, j'aurais été dans mon thé, c'est vrai que tu es venu me voir, j'étais pas né, je suis encore dans le monde, t'es sérieux. Alors, avec les restes de Paros, tu aurais pu te fausser un artefact de choix. Je sais que c'est là ce que tu veux en tirer. Ah! Du coup, je peux avoir des trucs épiques. Alors, soit je peux avoir des bottes épiques.
de monde. Ah ouais. Sony de 22%. Ouais, c'est-à-dire je me mets comme des gros dégâts quoi. Et là c'est quoi, des points de vie, de l'armure, et là il fait quoi? Carte vide. Ah, il fait rien. Non. Ouais, je vais prendre le sort. Les grimoires. Bouge de marionnette. Ah, c'est la place du collier, comment ça? Ok, faut que je glisse les potions si je vais l'utiliser, trop bien. C'est pas mal comme dégâts. Et c'est même beaucoup mieux que les stocks en fait. Enfin, c'est beaucoup mieux, non, mais. On peut la mettre. 12-24 la vampirique. On peut enlever une stock basique là. Vampirique à la place quoi. Quitte à pourquoi pas level up le vampirique. Chef de bouclier, c'est quoi les gars qui ont la défense du lanceur? Parce que quand même 58 de dégâts c'est pareil quoi. Et monteur, et sinon c'est quoi, dur 6. Ah mais d'accord, bon, chef de bouclier en fait faut ok, faut combiner les deux là. D'accord. Pour dire seulement il faut attaque sacrée et bénisse. Mais par contre, c'est une attaque sacrée basique en fait. C'est pour ça qu'il me dit que j'ai pas quoi. Ok. On va pouvoir recycler les trucs là parce que genre là. Vampirique pour améliorer, ça coûte combien? 125, ouais, quand même. Et 25-50, c'est vénère ça. Bim, amélioré. Bon, bah j'ai plus de poudre. Oh, on peut pas améliorer, il est d'accord, c'est épique le maximum en fait. Bon, je me rate là pour la découverte pour l'instant. J'en ferai sûrement un stream, je sais pas, dans les prochains temps. Dans la mine, je vais juste lancer pour voir à quoi ressemble le prochain environnement. Atteindre des coffres. Ok. Repérer se trouver dans les environs, je pars sans rencontre. Ah, on peut trouver un allié là par contre. C'est quoi ça? Créer un augmente de la récompense du monstre, moi aussi ça force. Ah oui, ok, j'ai Nephi à récupérer. Ok.
Ouais, je vais m'arrêter là pour la découverte ce soir. Toujours aussi cool. Toujours aussi cool, ça a pas mal progressé. Après, ouais, je trouve ça manque quand même de polish, mais bon, en même temps, c'est juste d'arriver en early access, donc c'est un peu normal. Je vais essayer d'en faire une soirée. Encore mon lieu de soirée, histoire de progresser dans le jeu. Mais j'aime bien le principe. Après, je suis pas super convaincu sur le fait qu'une fois que t'as passé ton deck, bah c'est fini. C'est assez bizarre comme principe, quoi, mais à voir. Faut que je joue beaucoup plus pour voir à quel point ça marche ou pas, quoi. C'est ça que, bêtement, moi je pensais qu'il y avait que ça allait roll, en fait, les cartes, quoi. Qu'en gros, ouais, ça défaut, ça retire, etc. Alors que là, non, en gros, quand une carte est jouée, elle est vraiment... c'est comme si elle se défaussait toute, en fait, quoi. Du coup, ça change les habitudes, mais... Bon, c'est pas forcément mauvais pour autant, hein. C'est... Allez, du coup, des bisous, bonne nuit. Donc, on est samedi, ouais, du coup, bah, prochain stream, lundi soir, sur Justin Plus.